Bonjour, nous sommes le jeudi 13 janvier 2022 avec une météo qui semble un petit peu froide parce qu'il y a eu du gel durant le cours de la nuit. Et bon, le gel est toujours un petit peu, on a un petit peu de gel en matinée. Bon, on comprend que pendant la journée, ben, on a un léger réchauffement par rapport à la nuit. La nuit fait toujours froid. Donc on a eu quand même des températures en dessous du zéro durant le cours de la nuit, glaciale, mais que ça va probablement se rétablir en cours de journée. Comme je vous ai dit, bon, le fait d'être dans l'obscurité, ben, la température est plus froide que dans le cours de la journée. Ici, je vous présente un énoncé qui a déjà été établi, mais je vais le modifier pour le changer. Je vais toujours garder le cas d'un ouvrier dont le salaire horaire est de 15 euros prestés. Voilà, bon, ça j'avais fait le calcul. Vous allez voir la vidéo, tout est expliqué. Ça, je vais rien changer là-dessus. Il travaille 8 heures, bon, je ne change rien là-dessus. 8 heures par jour, bien sûr, totalisant 23 jours complets sur le mois. Alors je vous rappelle que l'ouvrier, il a un salaire variable. Contrairement, il est payé en fonction des heures qu'il travaille. S'il a travaillé peu d'heures, ben, il touchera peu. S'il a travaillé beaucoup d'heures, il touchera beaucoup plus. Maintenant, l'employé, il a un salaire fixe. Il sait bien ce qu'il touche à la fin du mois. Alors ici, on a un ouvrier qui est célibataire. Son épouse est décédée, donc il est veuf. Il est isolé et veuf, donc il aura des compléments que j'ai expliqués. Donc des réductions de précompte. C'est des réductions de précompte. Attention, ce sont des réductions de précompte. Il ne reçoit rien en poche. Simplement, comme il a une réduction de précompte, son salaire net, ben, il recevra un peu plus dans son salaire net. C'est normal parce qu'il paye moins de, il paye moins de charges. Bon, mais ici, j'ai pris un cas de figure. On avait un enfant handicapé. Donc, ça, c'était la vidéo qui était précédente. Tout a été calculé. D'ailleurs, je peux vous montrer les calculs. Je vous montre que les calculs parce que les explications ont déjà été données. Voilà. Au bout du compte, il avait voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il fallait d'abord, suivant le schéma que voici, simplifier. On a une rémunération brute, on enlève les quotes-parts de sécurité sociale, bien sûr, on donne à l'Office national de sécurité sociale. Ensuite, on a la rémunération imposable. À partir de là, on enlève le précompte professionnel pour le donner au fisc, bien sûr, à la fiscalité, au service Wallonie fiscalité. Mais si la personne a droit à des réductions, ben, on pourra diminuer la quote-part de précompte professionnel à payer. Bon, les réductions n'interviennent que si elles sont inférieures au précompte, hein, parce que si précompte, les réductions, c'est juste une réduction de précompte professionnel à la base. S'il y a pas de précompte, si le précompte professionnel est déjà petit et que les réductions surpassent les comment est-ce qu'on appelle ça, les réductions surpassent voilà ce qu'on doit donner au précompte professionnel, enfin en tant que précompte professionnel au service Wallonie fiscalité. Ben, si les réductions de précompte surpassent le précompte professionnel, vous aurez compris que les réductions tombent. Hein. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas de réduction, c'est normal, parce qu'il faut quand même payer le précompte professionnel. Le but, c'est pas que le précompte vous donne de l'argent. Hein. Enfin, le fisc vous donne de l'argent, c'est pas le but. Hein. Le but, justement, c'est de donner voilà, de l'argent au fisc. Voilà. Le but, c'est pas que le fisc vous donne de l'argent. Par contre, si le fisc vous fait une réduction de précompte, si vous avez droit à ça, à ce moment-là, la rémunération nette augmente. C'est normal parce que vous diminuez le précompte, puisque vous avez une réduction de précompte. Votre précompte professionnel, bon, prend moins de place dans les charges et donc les rémunérations nettes augmentent. Donc le fait d'avoir des réductions, ben, vous avez plus en poche, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Mais en ayant, sans que le fisc vous donne de l'argent, bien sûr, hein, il vous a juste fait une réduction. Vous dites payer moins les charges de fiscalité, tout simplement. Alors ça, c'est un schéma simplifié parce qu'il y a d'autres schémas qui viendront par après. Et donc, le calcul, comme je vous ai dit, le calcul, le voici. On a la rémunération brute. Comment j'ai calculé ça? Ben, ben, il suffit de calculer par rapport au taux horaire. Au taux horaire, on a un salaire horaire. Ce qui est un salaire unitaire fois le nombre d'heures prestées par jour fois le nombre de jours prestés par mois. Et vous calculez la rémunération brute. Bon, je l'ai fait dans la vidéo précédente. Ensuite, on a, comme c'est le cas d'un ouvrier, il faut faire une majoration
pour avoir un salaire virtuel qui serait de 2980, comment? En multipliant un salaire réel par 108%. Et ça, c'est juste pour calculer les 13,07% sur ce salaire virtuel-là pour avoir la quote-part ONSS, la quote-part de sécurité sociale, qu'on va donner bien sûr à l'Office national de sécurité sociale. Ensuite, on a le revenu imposable en faisant le salaire réel moins la quote-part de sécurité sociale calculée sur base d'un salaire virtuel. Bon, là, on a 2370,41 moins le précompte professionnel qu'on va lire dans les tables suivant un barème donné, 1 ou 2. Alors ici, il était, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était. Ouais, il était célibataire. C'était le cas d'un isolé. Célibataire, c'est isolé, hein. Donc l'ouvrier célibataire, il est isolé. Voilà, il est isolé. Donc il fallait calculer suivant un isolé. Ensuite, je vais chercher le précompte dans les tables en tant qu'isolé. Je vais chercher 502,27, qui est le barème 1, bien sûr. Ensuite, ben là revient la réduction de précompte. Alors, la réduction de précompte, en fait, comme il est isolé, il a le droit à une réduction de précompte. Comme il est veuf, il a une réduction de précompte. Et comme il a un enfant à charge, il a une réduction de précompte. Voilà, donc il a trois réductions de précompte. Et il a droit parce que ces réductions de précompte sont inférieures à 5. Les 170 sont inférieurs à 502,27. Donc il a le droit. Et donc on calcule le revenu net en faisant 2370 moins 502 plus 170 et vous avez 2038. Alors maintenant, je vais modifier l'énoncé. Je vais faire en sorte qu'il ait. Il a deux enfants. Et un enfant avec handicap. Bon, je ne vais pas mettre ça comme ça, je vais mettre, il a trois enfants, dont un avec un handicap. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, ça va, tout va être dans les réductions. Je m'excuse. Donc, il a trois enfants, dont un avec handicap. Alors, comment ça va se passer, comme je vous ai dit? Eh bien, c'est. Tout va se jouer sur les réductions sur les enfants. Parce que veuf, il l'est toujours. Isolé, il l'est toujours. Donc, ces deux-ci resteront. Par contre, ce qui va changer, c'est par rapport au nombre d'enfants. Donc, on va changer ça. Et puis, on va calculer le salaire. Alors, pour ça, bon, tout le restant reste, hein. Tout le restant, il n'y a rien qui est modifié. Tout le restant, c'est bien sûr jusqu'ici. Là, il n'y a rien qui est modifié puisque c'est juste au niveau du précompte que ça va modifier. Alors pour ça, on va aller sur Internet. Vous tapez, voilà, c'est la centrale syndicale libérale, CGSLB. Vous tapez table des précomptes professionnels. Là, vous avez la table déjà, voilà, celle de 2021. Sinon, vous allez Service Wallonie Fiscalité, vous avez bon, de 2011 à 2021. À 2022, je m'excuse. Alors, il vous donne des informations en plus si vous voulez savoir. Vous pouvez lire, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de législation sociale. Et un petit peu de la législation fiscale. Maintenant, pour le gros de la législation fiscale, vous allez voir sur le site de Service Wallonie Fiscalité. Là, bon, ils sont plus compétents pour parler en termes de fiscalité, mais ici, bon, ils donnent quand même des petites informations
qui sont pas, je veux dire, notamment sur les précomptes. Ils ont quand même une table de précomptes simplifiée, c'est table de précomptes professionnelle, si vous voulez, la plus grosse table de précomptes professionnelle, je veux dire, vraiment plus élaborée avec les pensions et tout ce qui s'ensuit. Vous allez sur le site de la Wallonie Fiscalité. Donc voilà. Bon, donc c'est pour vous dire qu'ici ils donnent des informations complémentaires sur les, comment on appelle ça, sur la législation fiscale concernant les divers secteurs d'activité, les commissions paritaires et tralali tralala. Bon, et donc ici vous devez juste cliquer sur, vous voyez, précompte professionnel 2021. Vous aurez le 2021. Si vous faut le 2018, ben, vous allez sur le fisc, hein, là, parce que je vous dis, il reprend au niveau du service Wallonie Fiscalité, il reprend de 2011 à 2022. Donc on sert descendre quand même 10 ans en arrière. Alors, vous retombez sur ceci, précompte professionnel, à partir du 1er janvier 2021. Je suppose que ici, c'est un salaire qui est. Je présuppose que le salaire ici est un salaire de revenus durant le cours de l'exercice fiscal 2021. Donc, c'est ça qu'il faut prendre. C'est le tableau là. Alors là, on a les réductions d'impôts. Voilà, je vais augmenter un petit peu pour voir un peu plus. Voilà. Alors, concernant. Il est veuf, hein. Donc, on avait dit qu'il était veuf. Tout d'abord, il est isolé. Bon, isolé. On a une réduction de 26 euros. C'est les 26 euros que vous voyez ici. Voilà, les 26 euros, c'est parce que il a une réduction parce qu'il est isolé. Il a le droit. Ensuite, il a une réduction de 37 euros parce qu'il est veuf. Alors, si je regardais 37 euros, les veufs non remariés, bien sûr, ou les célibataires avec au moins un enfant à charge. Donc, les célibataires avec au moins un enfant à charge ont droit à 37 euros. Bien sûr, les travailleurs handicapés aussi ont droit à 37 euros. Et le conjoint handicapé seulement pour le barème 2. Donc, c'est-à-dire que le conjoint ne travaille pas. Les personnes à charge autres que les enfants ou le conjoint et le cohabitant légal. Le cohabitant légal. Donc, c'est les personnes à charge autres que les enfants. On peut avoir prendre. Ça, c'est des caps particuliers. Voilà. Et donc, ils ont droit à 37 euros de réduction. Maintenant, ça reste toujours. Hein, parce que, bon, il est toujours veuf. Il est toujours isolé. Donc, 37 euros ici, il a le droit. Et 26 euros, l'ouvrier, il a le droit ici. Par contre, comme j'ai changé l'énoncé, il n'a plus un enfant, mais trois enfants, dont un qui est handicapé. Donc, comment on va faire? Eh bien. Regardez bien, vous devez faire ça comme ça. Je vais considérer qu'il a trois enfants. Voilà. Alors, la personne, il y a un enfant avec un handicap. Ah, c'est celui-là. Alors maintenant, comment on va faire? Eh bien, la personne avec un handicap, donc l'enfant avec un handicap, compte pour deux. Il compte pour deux. Donc, ça veut dire que si vous regardez ceci, voilà. Donc, je vais remplacer la personne avec un handicap par deux personnes. Le contexte, il est devenu comme ça. C'est comme s'il avait quatre enfants. Donc, un enfant avec un handicap, c'est toujours plus un. On en fait juste plus un. C'est comme s'il avait trois enfants et on fait la charge d'un enfant en plus. Donc, on fait plus un. Donc, quand un enfant handicapé compte pour deux, on fait plus un. Donc, par exemple, supposons qu'il ait trois enfants. 5 enfants. On va faire 5 enfants. Je vais recommencer l'exercice. Voilà, il a 5 enfants. Dont 2 qui sont avec un handicap. Alors, donc on a ceci. Ça veut dire que il a trois enfants.
Alors, le premier enfant avec un handicap compte pour deux. Le second enfant avec un handicap compte pour deux. Donc, à la base, c'est comme s'il avait, donc il a cinq enfants, dont deux avec un handicap. Donc, ce qui veut dire, c'est comme s'il avait 3, 4, 5, c'est comme s'il avait 7 enfants. C'est comme s'il avait. Et donc, les réductions vont se calculer sur base comme s'il avait 7 enfants. Donc, et comment calculer ça? Ben, comment j'ai fait? Lui, s'il compte pour deux, ben, c'est comme s'il comptait pour lui-même, plus un enfant en plus. Lui compte pour deux, donc c'est comme s'il comptait. Une réduction pour lui-même, plus un enfant en plus. Donc, au bout du compte, à chaque fois, on fait plus 1. Vous devez faire plus 1. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, plus 1, 6, plus 1, 7. Et c'est pour ça qu'il a, ici, je comptabilise 7 enfants. Parce que, voilà, une personne avec un handicap compte pour 2. Donc, sachant cela, je reviens en arrière. Et j'avais dit qu'il y avait 3 enfants. Ouais, 3 enfants, c'était ça, dont un avec un handicap. Donc, en fait, comme lui il compte pour deux, donc on fait 3 enfants plus 1, ça fait 4. Donc, il faudra calculer le précompte pour 4 enfants. Donc, je vais aller chercher ça tout de suite. Le précompte sera pour 4 enfants. Bon, je vais sur le site, je vais regarder 4 enfants. Voilà. Eh bien, 494. Bon, c'est quand même un gros. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il y a une petite remarque, hein. La petite remarque, l'enfant handicapé compte pour 2 enfants à charge. Voilà. Donc, c'est faire plus 1, en fait. C'est faire plus 1. Donc, ici, ça fait 494. Parce que j'ai comptabilisé 3 enfants, dont un avec un handicap, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc, 4 enfants. La réduction mensuelle est de 494. Donc, c'est immense par rapport au 107. Hein. Avec 2 enfants, il avait 2 enfants. Le cas précédent, c'était 2 enfants, il avait 107. Maintenant, 4 enfants, ça fait une réduction de 400. On va voir, bien sûr, si c'est possible. On va voir si c'est possible, parce que ça ne doit pas dépasser le précompte. Hein. Alors, on va regarder après ça. Ouais, et là, ça dépend, à mon avis. Ouais, et là, il dépasse le précompte. Parce que ça fait 597. Donc. Donc, en fait, il ne payera pas. Puisque ici, ça fait 500. Donc, ce qui veut dire 557, ça veut dire qu'il ne payera pas de précompte ici. Comme il dépasse, le précompte vaudra 0. Il ne paiera pas de précompte. Donc, il n'a pas pris de précompte. Donc, en fait, il va toucher 2370,41.
Donc c'est comme s'il n'avait pas de précompte professionnel à payer. Parce que le revenu, le précompte augmente, est plus important que le précompte. Enfin, réduction de précompte sont plus importantes que le précompte. Donc, ça retombe à zéro. Le précompte retombe à zéro. Alors, je vous remercie.